crois que la NUPES vous mène une vie terrible en ce moment. Je crois que la NUPES vous mène une vie terrible en ce moment. Je crois que la NUPES vous mène. Pour cette interview spéciale, finalement, parce que il faut quand même expliquer aux gens ce qui est en train de se passer, ce qui est terrible. Hein. Vraiment, je voulais justement savoir, et ma première question va porter sur la réforme des retraites. Monsieur le député, vous allez gagner, hein, puisque la réforme des retraites va bien évidemment passer. Je tiens cette information de ma consoeur, Madame Saint-Cricq. Alors, pourquoi pensez-vous que la FI continue comme ça de vouloir appeler à des grèves, à des manifestations? Est-ce que vous pensez que ce sont des enfants qui font des caprices? Oui, pour répondre directement à votre dernière question, oui, ce sont des enfants qui font des caprices, j'en vois, qui font des jeux de mots, qui font des blagues, mais en fait qui ne sont pas des blagues et des jeux de mots. Tout ça est d'une extrême violence, d'une extrême gravité. On est en train de parler de l'avenir de notre système de retraite par répartition. Voilà. Et vous savez, quand les gens disent que c'est le cirque à l'Assemblée nationale, c'est de la faute de la NUPES, très clairement. Très clairement. Ça a été visible lundi, ça a été visible mardi, ça a été visible mercredi. Je ne vais pas vous faire toute la semaine comme ça, hein, vous m'excuserez. Mais c'est visible tout le temps, en permanence. Moi, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol que, en tant que député de la majorité, mon nom puisse être affiché comme ayant voté pour ceci. D'ailleurs, je ne sais plus c'est quoi cela. Votre nom. Enfin, c'est quoi votre nom déjà? Parce que moi, j'ai que Playmobil sur ma fiche, donc je ne sais plus. Ah ben, je suis. Non, c'est pas Playmobil. Moi, je suis Monsieur Mouton. Ah, pardon. Voilà. Monsieur Mouton. Monsieur Mouton. Hein, vraiment, je comprends que ça doit être très, très pénible. Et vraiment, merci, monsieur, d'être venu. Hein. Mais c'est avec grand plaisir, mais je voudrais quand même insister sur cette violence. Vous savez, hier, j'ai vu dans les manifestations, j'y étais pas moi-même, hein, mais j'ai vu sur les réseaux sociaux, des gens qui disaient « ça va péter » avec une bombe dessinée sur la pancarte. Voilà, ça va trop loin. Ça va trop loin. On est dans une démocratie, on est dans un grand pays. Oui. Nous avons des élections. Le président de la République, Emmanuel Macron. D'ailleurs, vous êtes bien habillé, vous, au moins. Je le salue. Je salue Monsieur Macron, notre cher président, qui avait dit dans sa campagne électorale qu'il voulait la retraite à 64 ans. Il ne s'en est pas caché. Il a été élu, que je sache. Alors quoi, ces gens remettent aussi en cause les élections? C'est ça qu'ils font? C'est ça qu'ils font, c'est insupportable. C'est insupportable. Voilà. Et je vous remercie de nous donner du temps d'antenne pour dire cela, parce qu'il ne faudrait pas que rentre dans l'esprit des gens que cette réforme serait injuste, mais nécessaire. Non, ce serait dommage. Mais d'ailleurs, juste comme vous parlez de justesse, je pense qu'on pourrait apporter la preuve qu'elle est juste, parce que vous mettez fin aux régimes spéciaux de ceux qui bloquent le pays. Et moi, j'ai une question. Est-ce que vous pensez, enfin, mettre aussi fin aux régimes spéciaux des députés qui sont exclus? Oui. Oui. De toute façon, celui qui est exclu, on lui retire sa paye, il ne cotise pas. Pas de cotisation, pas de retraite, vu que nous défendons le régime par répartition. Les choses sont relativement, voire même extrêmement claires. Hein, bon. Et la retraite des députés, vous savez, nous, on vit une vie de misère, on est agressé, harcelé par la nouvelle Union populaire écologique et sociale, et particulièrement, je tiens à le dire sur votre plateau, particulièrement par la France insoumise, ce sont les pires, les mélenchonistes, là, les rouges, le couteau entre les dents, etc. Moi, je voudrais vous dire... Il faut que je les reçoive en interview. Ces cotisations que nous faisons dans notre régime de l'Assemblée nationale et le fait que nous ayons une retraite un peu plus élevée que les autres, et c'est très simple, c'est un critère de pénibilité. Bien sûr. C'est un critère de pénibilité. Quand vous avez des, je ne sais pas moi, au hasard, M. Louis Boyard, là, hein, celui-là, mais on se demande s'il n'est pas encore sur un plateau d'Hanouna quand on est à l'Assemblée nationale. Hein, voilà, quand on l'entend éructer, vociférer, là, les étudiants, la grève, le blocage, appeler à la violence en permanence contre nos policières et nos policiers. D'ailleurs, je tiens à les saluer, je ne sais pas où est la caméra, elle est là-bas. Je tiens solennellement à saluer le travail des policières et policiers face à ces gauchistes de la France insoumise et cervelés qui tentent de déstabiliser le pays. Bon, tout ça est insupportable, donc évidemment... Et puis, vous savez ce que j'ai vu passer la dernière? Non. J'ai vu qu'ils organisaient une crise de grève pour bloquer le pays. Oui. Non, mais vous rendez compte? Oui. Ils organisent, ces gens organisent des caisses de grève pour bloquer le pays. D'ailleurs, j'ai une question pour vous là-dessus. Non, pas pour soutenir les grévistes. Ah bon? Pour paralyser les Français. Pardon. Pour les prendre en otage. J'avais pas pris les bonnes notes. Pour les prendre en otage. Dites-le. Oui, pardon. Dites-le. Oui, je l'ai dit. Pour paralyser, donc pour bloquer, voilà. Et puis pour prendre en otage. Merci. D'ailleurs, moi, j'ai une question. Est-ce que... ça serait pas temps de lancer une caisse de grève pour soutenir les portes qui ont reçu des tags?
Si. Oui. Je pense qu'il y a un élan de solidarité à avoir pour soutenir effectivement tout ce mobilier, tous ces objets, tout ce qui est dégradé. Je veux à cet instant qu'on ait une pensée pour le ballon sur qui on a collé la tête. Je veux qu'on ait une pensée. Excusez-moi, je me suis trompé. Une pensée pour Olivier Dussopt qui a eu sa tête collée sur un ballon. Vous imaginez le préjudice. C'est insupportable, c'est insoutenable. Jamais je ne supporterai que ma tête soit mise sur un ballon. Vous savez que j'ai vu ça sur Internet. J'ai vu des gens qui avaient partagé des ballons avec marqué Macron dessus. Oui, je ne rigole pas. D'ailleurs, ceux qui veulent, c'est sur Macron.com. Macron.com, vous allez voir et vous trouverez des ballons avec écrit Macron dessus. C'est insupportable. Le pays part dans tous les sens. Donc j'espère que les policières et les policiers de ce pays feront leur travail. Mais et que les gens n'iront pas donner à cette caisse de grève. Si les gens veulent aller voir sur cette caisse de grève, c'est. Attendez, je vous dis ça de mémoire. C'est grève GREV, plus loin, enfin attaché, mais event. event.fr. Donc c'est ça la caisse de grève. Je crois qu'ils sont à 27 750 euros. Non. Si. 27 000. Ah ouais. 27. Ouais. Ouais, on vit un grand moment. Et justement, j'ai une question. Est-ce que vous. Attendez. C'est trop. Je vous laisse reprendre vos esprits, bien évidemment. Dur, un verre d'eau, s'il vous plaît. C'est dur, si quelqu'un peut m'apporter un verre d'eau. Ah, le petit personnel, vraiment. Ruffin, oui. Qui vient en maillot de foot à l'Assemblée nationale. Thomas Porte, qui shoote dans des ballons. Oui. Est-ce que vous pensez pas que la France insoumise est jalouse du président qui a pu caresser Mbappé ? Si, très clairement. Ces gens ont raté leur vie. Pour en arriver là, il faut avoir raté sa vie, c'est pas possible. Il faut avoir envie d'exister, d'exulter. Nous sommes des gens sérieux, on est là pour transformer le pays, pour faire en sorte d'améliorer les conditions de vie des gens concrètes, ce qu'on a fait jusqu'à présent. Vous savez que le pays, aujourd'hui, est au plein emploi, que les inégalités ont reculé, qu'il n'y a plus personne qui dorme à la rue, comme l'avait promis Emmanuel Macron au début du mandat. Donc aujourd'hui, nous réalisons toutes ces belles choses, et ces gens-là viennent tout bordéliser. Tout saccagé, tout. Enfin, voilà, moi je suis. Vous savez, je me pose la question, est-ce que je dois franchement continuer à être député ? Je ne sais pas dans ces conditions-là. Monsieur Mouton. Hein. Est-ce qu'il faut garder l'Assemblée nationale ? Parce que sinon, après. Faut-il garder l'Assemblée nationale ? Il n'y a plus de troupeau, quoi. Est-ce qu'on ne prendrait pas les décisions directement dans la foulée de l'élection présidentielle ? Ce serait beaucoup plus simple. C'est vrai. Il y aurait moins de tension dans le pays. Je pense que c'est important. Et puis, je voudrais saluer aussi, parce qu'on en parle assez peu, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Je veux lui rendre un hommage, parce qu'elle elle a, comment dirais-je, une main de fer. Une main de fer, comme Margaret, ça me fait beaucoup penser à Margaret Thatcher, qui était une grande femme politique, qui a réformé son pays. On ne lui rend pas assez hommage, et moi je voudrais rendre hommage à Yael Braun-Pivet qui fait le job. Elle fait le job à chaque fois qu'il y a des incidents dans l'hémicycle, elle est là. Elle est là. Et je vois les mauvaises langues, je les vois, ceux qui disent elle est là à chaque fois qu'il y a des embrouilles dans l'hémicycle, donc c'est de sa faute. Non, elle est là pour régler les problèmes concrets qui se posent. Et quand vous avez un ballon de foot sur lequel on vient mettre, rendez-vous compte, l'image, la tête, avec la tête. Avec les cheveux et tout. Le nez, la bouche, tout. Ouais, tout, mais juste coupé là par contre. Mais sur le ballon, non, c'est pas possible. Donc moi, je voudrais dire à Mme Braun-Pivet que grâce à elle, peut-être que demain, il y aura davantage de vocations, de juges, de procureurs. Ah, j'ai cru que vous alliez dire de footballeurs, j'ai eu peur. Non, bah peut-être. Moi, j'aime bien le foot. Oui. Mais bon, j'ai vu que la France Insoumise n'aimait pas le football. Vous savez que la dernière fois, ils ont refusé de jouer dans l'équipe de foot de l'Assemblée nationale. Ah, ça ne m'étonne pas du tout. Parce que. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont sectaires ? Mais bien sûr, évidemment. Mais évidemment qu'ils sont sectaires. Bien sûr. Ils n'aiment pas la démocratie. Non. Ils n'aiment pas le vote. Ils n'aiment pas leurs collègues députés. Et ils refusent de jouer avec eux. J'ai trouvé ça lamentable. Puis ils n'aiment pas non plus. Quand je pose des questions, ils n'aiment pas les journalistes. On peut s'embrouiller. Voilà, on peut se disputer. C'est noble. C'est légitime. Mais de là à être sectaire comme ça, ces gens manquent d'humanité. N'ont aucune humanité. D'ailleurs, justement.
Dans la réforme, quand même, ce qu'il y a à retenir, c'est que vous allez mettre au moins toutes les retraites à 1200 euros. Oui. Rappelons quand même que dans ce pays, le seuil de pauvreté est à 940. Vous allez éradiquer la pauvreté, en fait. Mais clairement, voilà. Vous m'enlevez les mots de la bouche. J'ai l'impression que vous avez bien repris nos éléments de langage juste avant cette émission. Et je vous en remercie. D'ailleurs, juste une petite question. Oui. Pour mon planning, c'est quand le prochain petit déjeuner avec le président ? Alors, je pensais qu'on en parlera après. Ah, pardon, d'accord. Mais c'est bientôt. Il me semble que j'ai noté la semaine prochaine, début de semaine prochaine. Je serai là. Juste après, vous savez, après la future esclandre qui aura lieu dans l'hémicycle, on va reprendre ça parce qu'il faudra aussi qu'on. Il faut qu'on s'organise. Hein. Bah oui, parce que quand on vous prévient qu'on va faire un coup sur, par exemple, M. Porte pour l'exclure, il faut que les relais médiatiques derrière se. Bien sûr, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours compter sur nous. Il faut dire aux gens qui nous regardent, la France a le droit de savoir. Bien sûr. La France doit savoir. C'est de la transparence, hein. La France doit savoir quand les insoumis font n'importe quoi à l'Assemblée nationale. Il est nécessaire que vous soyez organisés, que nous soyons organisés. Les médias ont une responsabilité particulière dans la séquence. Si le pays tient encore, c'est sans doute grâce à eux, grâce à vous, madame. Mmh. Merci. Et j'ai juste encore une petite question. Si je peux abuser de votre temps. Bien sûr. Le travail est une valeur. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse aussi, nous, ce travail de pouvoir en parler. J'ai une question. Quand peut-on espérer le rajouter dans la devise française, le mot travail ? Alors, il y a eu une tentative par le passé qui était un peu malheureuse. Donc, ça se discute, ça se réfléchit. Il faudrait peut-être mettre d'autres mots avec. Travail, obéit par exemple, consomme, qui est un triptyque qui, je pense, est admis par tout le monde, que chacun pratique au quotidien et qui fait le sel de nos relations sociales, de la vie, de notre grand pays. Et je pense effectivement qu'il faut qu'on avance là-dessus. Le concept, par exemple, vous voyez, le concept d'égalité. Le concept d'égalité, je trouve, galvaudé, très galvaudé. D'ailleurs, nous préférons, parler d'équité. L'équité, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'il faut être équitable. Mm. Un peu comme dans le commerce, vous savez, pour prendre des références les labels que tout le monde a. L'équité, c'est... Vous allez faire un numéro vert, peut-être ? Non, mais attendez, parce que, regardez, l'égalité, je vous explique. Parce qu'on a eu le débat sur la question des repas à 1 euro pour les étudiants en cours. Vous savez, cette mesure qui a été mise en place par le gouvernement pour aider les étudiants qui étaient en difficulté pendant la crise du Covid. Je pense que beaucoup d'étudiants nous en remercient aujourd'hui, et ils ont bien raison. Mais les insoumis, et encore là, c'était les socialistes radicalisés, clairement, avec Olivier Faure, Jérôme Guedj, quelques autres comme ça. Enfin, bref. Donc, ils sont perdus. Ah non, mais ils sont perdus, moi, m'en parlez pas. Donc, ils ont proposé que tout, écoutez-moi bien, toutes les étudiantes et tous les étudiants, écoutez-moi bien, je redis, toutes les étudiantes et tous les étudiants. Par contre, là, vous faites un petit peu d'écriture inclusive. Hein, mais bon, bref, c'est juste. Reprenez-vous. Tous les étudiants ont clairement besoin d'avoir un repas, mais ont-ils besoin d'avoir tous un repas à 1 euro ? C'est la question que je pose aujourd'hui sur votre plateau. Parce que, je prends un exemple, le fils de Bernard Arnault. Ah oui. Je ne sais pas s'il a un quand fils, il va au Crous, imaginons qu'il ait un fils. Non, mais bien sûr, quand c'est il va pas au logique. Crous, est-ce qu'il a vraiment besoin d'un repas à 1 euro ? Non, il n'a pas besoin d'un repas à 1 euro. Eh bien, vous voyez les insoumis ce qu'ils veulent faire ? Avec les socialistes radicalisés, ils veulent que le fils de Bernard Arnault puisse manger pour un repas à 1 euro. Ah. Et après, c'est le président qu'ils appellent président des riches. Oui, voilà. Alors qu'en fait, en réalité, ce sont eux qui permettent à Bernard Arnault de s'enrichir grâce au repas à 1 euro que pourra manger son fils au Crous, comme chacun sait. Voilà. Donc, à un moment donné, l'égalité, ça conduit à ça, à ce genre de comportement. C'est insupportable. Ouais. C'est insupportable. Il y a urgence à tout, tout changer. Il faut que chacun puisse contribuer à hauteur de ses moyens. Et donc, il est nécessaire et indispensable que les riches ne puissent pas aller au Crous. Voilà. C'est extrêmement important. Qu'au Crous, il ne reste que les pauvres entre eux. Bien sûr. Parce que ça, c'est l'équité. Oui. Ça, c'est l'équité. Et ça, c'est notre projet. Merci. Merci infiniment, monsieur le député, de nous avoir honoré de votre présence. Et puis, on va rendre l'antenne. Et dénoncez une dernière fois, s'il vous plaît, cette caisse de grève pour bloquer le pays. Oui, non, vraiment. Dénoncez-la. C'est une honte. Il va falloir plutôt mettre sur la caisse pour les portes. Je